fait progrès dans la vie. Pareil, l'île Maurice, il fait progrès. C'est grâce à d'autres efforts, ben grandi monde qui l'a, nous bons ancêtres, nous bons parents. Ben, nous prend comme un gouvernement responsable et comme un devoir de tout un chacun. C'est pas une faveur qui nous peut faire nous bons grandi monde, quand nous peut guider les autres, quand nous peut veiller les autres, c'est notre droit. Nous devons faire de sorte que ce soit le gouvernement, le ONG, ben ONG, ben société civile, ben secteur privé, nous tous besoin travailler comme une seule grande famille pour que nous bons grandi monde capable qu'on y vive, comment le dire, dans le respect et dans la dignité. C'est un droit, ça. Ben, j'en dis où, pour réaliser qu'il y a une dégradation des mal valeurs. Hein? De plus en plus, nous trouvons qu'il y a un gap entre les parents et les enfants. Bien sûr, pour dire que la vie peut développer, peut avancer, technologie, tout à fait moderne. Les grands-parents ont des difficultés pour comprendre les enfants, les enfants ont des difficultés pour comprendre les parents. Mais ça, sa difficulté-là, n'est pas seulement aujourd'hui. Mon époque, si je connais mes parents, je dis âgé aussi, je connais. C'est une phase normale de la vie. Mais seulement, nous sommes capables de continuer à inculquer les valeurs de nos enfants. Enfin, ça, c'est très important. Pour qu'ils nous capables d'inculquer les valeurs dans nos enfants, trois institutions qui sont très importantes, c'est la famille, l'école et le gouvernement. La famille a un rôle à jouer. Pleinement, nous sommes capables de jouer ce rôle-là. Ou pour dire moi qui nous prennent les temps parce qu'ils ont dit monsieur, madame travaille, nous retournons la case d'or. Et bien souvent, pour nous finir avec nos enfants, nous nous donnons un portable, nous nous donnons un laptop, soit nous nous mettons devant la télévision. On comprend, mais si nous travaillons, peut-être nous tout faire aller. Donc, ben, les enfants-là, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont devant la télévision, soit ils sont devant un portable, ils sont devant l'ordinateur. Ou quand on fait remorque, ils ont 10 jours, quand on va à côté de la famille, quand on rentre côté de lit, comme les enfants, ils ne vont pas même faire bonjour parce qu'ils sont occupés, ils ont le laptop. Ben, si les parents-là ne commencent pas à mettre l'autre, ils commencent à montrer qu'ils ont grandi, ils viennent te laisser le laptop, ils viennent dire bonjour. Ben, une valeur là pour continuer à effacer. Donc, nous avons un devoir, nous, ben, grandi monde, nous devons continuer. Vous connaissez pas facile. Nous devons continuer à inculquer une valeur dans nos bons enfants. Après, nous devons faire des efforts, nous tous, qui nous passent un peu les temps en famille. C'est très important. Parce que, pour réaliser, si tous parents rentrent à la case, nous pouvons manger, les enfants livrés à lui-même, et qui nous pas passent un petit moment que des enfants là, les capables partagent sur la journée avec ses parents, quand ils sentent en sécurité, les capables confier s'il y a un problème avec ses parents, ben à quoi bon qu'ils nous peut continuer vivre. Donc nous tous, nous pas peu prêche morale, mais c'est des affaires qui fait nous réfléchir. Donc nous besoin nous trouver, nous tous nous connaît, trouver un petit temps, 15 minutes, 20 minutes ensemble comme une famille, passe li sans ou qui vous devant télévision ou cause des enfants là. Et aussi, qui se dit, mais il y a un problème, dit, mais il y a une difficulté, mais il connaît vers qui il peut tourner, parce qu'il connaît, il comprend que ce parent là pour lui, et que ce parent comprend lui, et que ce parent à l'écoute. Ça, c'est très important. Donc, nos enfants, on ne va pas tout tellement jeunesse ici, mais nos enfants, nous aussi, nous avons un devoir vis-à-vis de nos grands mounes. Bon, longtemps, nous vivons en grande famille, que quand nous avons grandi, si arrive à un certain âge, nous continuons à garder avec nous. Mais bien sûr, parce que moi-même, nos parents, parce que je travaille, nous tenons à nos parents, nous tenons à temps là. Nous avons grandi, nous continuons à rester avec nous. Nous payons tout soutien, tout bien-être, veiller aux autres, encadrer les autres. Mais on dit, vu qu'il plus madame travaille, nous payons tellement ça les temps là et nous trouvons qu'il nous besoin de mettre nos grandi monde dans le home. C'est pourquoi vous trouvez qu'à travers l'île Maurice en entier, à travers tout pays, il n'y a plus beaucoup de home qui peut voir. Mais les affaires que nous besoin veiller, nous, surtout gouvernement, nous besoin qu'ils s'amènent home là, j'ai tous les standards. Quand vous êtes tous standards, vous êtes qu'ils ont besoin de soins, vous n'avez pas un abus, vous n'avez pas un maltraitant. Ça, c'est très important. Parce que nous, d'accord, qu'ils sont home, vous êtes de soins. Mais bizarre qui peine à abus, peine à maltraitance, parce qu'il faut bien avoir une grande immunité dans sa bonne santé là, parce qu'il faut peine à les dents, mais au besoin rassurer
qui ça va grandir mon là pegain ban soin qui besoin et pegain ban soin là correctement. Ça et puis elle nous a fait aussi qu'important ben aujourd'hui comme on a raté avant moi il dit nous pour célébrer. Si vous voulez pas célébrer mais azalbadé, c'est un jour de réflexion que c'est un jour de nous pas besoin six veille ça jour là pour nous faire sensibilisation. Nous besoin ongoing, nous besoin process qui dans le temps. Mais Alzheimer, c'est une maladie qui peut prendre l'ampleur à travers le monde en entier. Mais nous besoin continuer sensibiliser Bandimoun Maurice, expliquer ce qui veut dire Alzheimer. Il y a une maladie bien difficile parce que quand la personne doucement doucement il peut perdre son mémoire et il pas trop connaît quand il était. Donc famille aussi il y a une difficulté pour comprendre la personne. Mais si vous sentez que ça va dire que dans la famille, mais ne pas hésiter à demander aide. Parce que vous pensez à travers l'île Maurice, nous avons une association, nous avons une volontaire, nous avons une ONG et un gouvernement aussi qui l'a. Vous avez continué à encadrer ça va dire que là. Nous faisons travailler aussi la population vieillissante. Comme je connais, en 2050, nous prenons à peu près 30% de la population de Maurice qui est pour une population vieillissante. Mais à partir de cela même, nous faisons continuer le travail qui nous capable prévoir, qui va une mesure nous capable amener, une mesure accompagnement pour qui nous capable faire face car ça va un moment là peut venir. Donc ça c'est un gros travail que le gouvernement est là pour faire. Donc, le gouvernement a un rôle à jouer, la famille a son rôle à jouer, les ONG a son rôle à jouer. Mais nous tous, comme une grande famille, nous devons faire de sorte qui nous bat une grande immune, continuer à vivre, comme on dit au début, comme on commençait, vivre dans la dignité et dans le respect. Ben, un nouveau gouvernement en place, vous connaissez, nous avons Sal Rodjagnat à la tête du pays, un immune lui-même qui a un certain âge, 85 ans. Un dimoun qui a une vision, un dimoun qui mûre, un dimoun qui nous parle avec qui nous apprenons assez régulièrement parce que tous les semaines. Now, may we please welcome another staff of Life Care. As we can see, it's so beautiful to see members of the Life Care team, everyone participating in this event today to make it a beautiful whole family, everyone sharing. Nous capables contre nos salaires de Jagnat et le gouvernement entier. Nous pouvons faire tout ce qui nous capable pour amener une mesure qui disait, une mesure appropriée. Si nous amendons la loi, si nous amendons la loi, mais nous sommes capables, comme on dit à eux, faire le travail correctement. Parce que nous avons des gens âgés, nous avons des grands gens, nous avons des places dans la société, nous avons encore besoin d'eux. Hein? Parce que l'expérience que nous avons des grands gens et n'a pas gagné dans le livre. Hein? Donc, vous pensez, si vous avez un conseil, si vous avez un coup de main, si vous avez surtout un conseil, mais c'est une mémoire vivante de la société. C'est une, nous, une grande monde, je symbolise le Dieu la peur, je symbolise l'honnêteté, je symbolise l'expérience. Donc, nous disons, je connais qui êtes là, je nous capable tout nous vers eux pour qu'ils soient capables de continuer, guide nous. Hein? Parce que ces eux nous guident. Parce qu'ils nous payent à l'expérience là, je t'ai dans l'expérience là, mais je suis capable de contrôler nous en tant qu'un gouvernement responsable pour faire ce qu'ils disent pour le bien-être, la sécurité et, comment me dire, pour que nous mal grandir, nous continuer à vivre dans le respect et dans la dignité. Merci. Thank you.
Otiso, Talpuriso, Samusa, Gatopima, Batia. Bonjour, messieurs. Deux magis pour Bigatu, s'il vous plaît. Aïe, madame, ma grosse est là, mon bien ensemble, mon fils, mon travail là. On vous donne sens là. Attends, attends, mon guette chien. Merci. Aïe, aïe, madame là, pas facile là, vite. Alzheimer, Alzheimer, c'est quoi?
Alzheimer, c'est une maladie qui affecte le cerveau. Ok, bon, et ça, attends, m'explique-toi. Alzheimer, au commençant, tu trouvais tu m'as dit moi ce qu'on fait. Comment tu trouvais là, ta maman, il est désorienté. Il va faire connaître l'endroit, il va faire reconnaître toi. Okay. Oui, souvent, des fois, il fait ça. Mais normal. Et tu connais Alzheimer, c'est qu'on appelle. Il degenerative and irreversible. Ça veut dire que son état de santé il continue de détériorer et il est progressif. Pépé, là, aucun médicament qui m'a donné? Bon, le traitement, bon, Alzheimer, sauf en recherche et trouver qu'il n'y a aucun médicament qui est capable de guérir la maladie. Mais qui m'a besoin de faire dans ce cas-là? Moi, il y a un travail, moi, besoin de la case, la cuisine ou pas? Qu'est-ce que je peux amener? Ok, bon, c'est ça. Et il y a une place qui s'appelle la Care Residential Care Home. Ok? C'est toi Floréal. Ok? Ok? Là-bas, c'est un home que tu le vas résident. Vous êtes bien encadré. Ton maman, elle n'est pas toute seule parce qu'il y a un bon staff, ok? Que les autres résidents ont beaucoup parlé comme elle dit. Il faut aussi participer à une activité. Bah, l'activité physique, bah, l'activité que tu travailles, sommez-moi, etc. Ok? Et il faut vivre aussi dans l'intimité. Vous pensez, vous avez amené là-bas. Vous pensez parce que ta maman, il faut vivre dans la joie et que toi ici, quelque part, tu pourrais une tranquillité et qu'elle n'a pas. Ça va? Ah, tu me soulages avec tes conseils. Ok. Merci. Long time. I got this message for you, girl.